Fait que c'est une fermentation sauvage mix qui est assez facile à contrôler, qui prend une journée à faire. Fait que contrairement au kombucha qui prend 14 jours d'attente et d'espérance, le kéfir, c'est hyper rapide. Fait que si même je me trompe puis il goûte pas bon, mais je recommence puis c'est prêt dans 24 heures. Alors pour ça, c'est vraiment cool. Fait que je me fais une eau sucrée. Puis j'y mets les aromates que je veux y mettre. Hein. Je peux mettre de l'amande fraîche, je peux mettre... j'ai des baies d'argousier que je vais y mettre. J'ai des abricots, des mangues. Je pourrais mettre des fruits frais aussi, comme je pourrais mettre des framboises, je pourrais mettre du melon. Vraiment, il n'y a pas de limite aux fruits que vous pouvez mettre. Puis, les bulles vont monter, ce qui fait que les fruits séchés dans le bas vont commencer à aller à la surface de l'eau. Fait que quand votre fruit séché flotte, c'est prêt, c'est votre canari. Il vous dit quand est-ce que c'est prêt ou quand est-ce qu'il faut rendre. Fait qu'à ce moment-là, quand ça va être prêt, je vais embouteiller dans des bouteilles hermétiques.